Le pôle universitaire de l'IUT Besançon Vesoul a mis en place donc le projet de pédagogie immersive en partenariat avec Stellantis dans le cadre de nos projets tutorés de licence professionnelle. Le but était de faire acquérir aux nouveaux entrants les contraintes qualité et sécurité du site de Stellantis, mais de façon ludique. Nous avons tout de suite trouvé un potentiel dans ces formations, car c'est des formations qui sont très modernes. Et donc nous étions encore sur des formations de style PowerPoint, en présentiel avec un groupe de 10 personnes. Et du coup, on a trouvé que c'était très intéressant de passer par ces formations. Ce projet a été fait donc dans le cadre de MobiCampus, donc qui est un facilitateur de rencontres entre des partenaires, que ce soit de l'éducation ou professionnelle, et qui a permis donc de monter un projet qui ouvre vers la pédagogie immersive. C'est un partenariat avec la plateforme UTEL, le but étant de mettre en forme des scènes dans lesquelles finalement l'entrant va avoir l'impression d'être dans l'entrepôt et de répondre à certaines questions ou certaines situations dans lesquelles il va être acteur de la situation. C'est des formations qui sont très innovantes, qui permettent aussi à l'apprenant d'être autonome sur ses formations. Et c'est vrai que lorsqu'on a fait découvrir ces formations à l'exploitant, on a senti un engouement vraiment direct. Et ça a vraiment intéressé les gens qui faisaient les formations. Moi, ce que j'ai aimé dans ce type de formation, c'est surtout la façon d'apprendre. L'immersion est complète, bien détaillée, précise. On est déjà sur le terrain avant même d'y être. Et c'est ça qui est bien avec la caméra 360, c'est qu'en virtuel, comme ça, on sait déjà à quoi s'attendre voir le jour où on arrive sur le terrain. La charte de départ, les contraintes de départ et les objectifs de départ ont été déterminés par Stellantis. Et ensuite, ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont proposé certaines scènes, qui ont monté les scènes, qui ont monté les scénarios pour pouvoir arriver au produit final. Le fait d'avoir des étudiants avec nous, ça permet d'avoir un œil neuf. Parce que c'est vrai que nous, en tant que professionnels de l'entreprise, on a tendance à être un peu trop technique dans nos formations. Et on a un peu tendance aussi à oublier que ça va toucher un nouvel arrivant qui n'a pas forcément les bases de la logistique. Les étudiants viennent une semaine en entreprise, on travaille en entreprise, et donc ça s'est fait sur 5 semaines au total. L'avantage de ces formations, c'est qu'à la fin, nous avons pu y mettre un test. On s'est fixé un objectif de 75% de réussite pour pouvoir avoir la formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 100% de réussite sur nos formations. Ce partenariat avec Stellantis, c'est gagnant-gagnant, puisque de leur côté, ils ont pu monter des pédagogies immersives qu'ils n'auraient pas eu le temps ou matériellement possibilité de faire. Et pour les étudiants, ça leur permet de les immerger tout de suite dans un milieu professionnel. Le futur donc, de ce projet est le déploiement des pédagogies immersives pour d'autres métiers. Sur le site de Stellantis, c'est un déploiement à moyen terme sur l'ensemble des métiers.